Au tep, au tep, au tep. J'étais bien accueilli comme d'habitude. Je viens de terminer mes courses. L'accueil était très très chaleureux ici au Aldi. C'était pas mal. Comme d'habitude. Voilà, dimanche, on s'est entraîné avec l'ancêtre Thiem. Mais on a failli le tuer. Encore une fois. On a failli le tuer. Donc il était vraiment pas content, quoi. Mais il n'est pas mort. Parce qu'ils ont tenté des picouses. Les picouses n'ont pas marché parce qu'il a esquivé. Ils ont essayé les piqûres là, il a esquivé les piqûres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de l'acide. Hein? De l'acide. C'est ce qu'ils me font souvent ici. Ils te mettent dans les yeux. Ils ont mis l'acide. Bon. Là, il était un peu. Ça l'a rendu un peu fatigué, quoi. Mais il était très fâché. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Voilà, son fils est là. C'est ça qu'il s'agit. Il a amené son fils. Son fils est là. Voilà, son fils est là. Il est là, Mabika. Voilà, c'est un grand chef. Un chef du village. Celui-là. Voilà, le fils, il vient pour régler hein, les revenants. Vous voyez? C'est ça, les revenants. Mais là, il a envoyé son fils. Il est là, le fils. Le fils est là. C'est un grand chef. Pour dire à ces gens-là d'arrêter d'importuner sa descendance. De s'occuper d'eux-mêmes qu'au lieu de commencer à vouloir piquer. Ils piquent n'importe quoi. Ils piquent les corps, ils piquent les ballons, ils piquent les ordinateurs, ils piquent les GSM. Vous voyez, c'est devenu une obsession de piquer. Donc, les piqûres qu'ils me font là, ce n'est pas suffisant. Ils doivent aussi commencer à piquer les ballons. Yeah. Qu'est-ce qu'ils ont fait les ballons? Ça, c'est pour les enfants. Hein? C'est pour s'amuser. Pour donner un peu de la chaleur, du baume au cœur. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Voilà. Donc, les revenants, ils sont venus. Il a envoyé son fils. Et le fils, là, attention, c'est un grand chef. On ne bâtit pas avec son fils comme ça. Oui, oui. Donc, c'est pour vous dire que laissez tomber l'histoire de la méthode Macams là. Vous ne pouvez pas le tuer. Son esprit, il est éternel. Vous n'avez pas compris ça. Donc, tous les mesquineries, mauvais coups, vous pouvez faire, c'est pas grave. C'est éphémère, parce que ce monde est éphémère, tel qu'il est. Donc, vous faites des choses éphémères. Ça n'a aucune valeur, aucune portée. Tout ce que ça va faire, c'est rendre encore votre cœur encore plus dur. Voilà pourquoi la méthode vous dit, méthode Macams, il n'y a pas d'échec. Voilà, ça c'est le cœur, ça c'est la méthode. La méthode, elle est là, voilà. Tu vois, c'est le cœur, la joie de vivre. Vivez, soyez heureux. Évitez de faire les malins, la méchanceté gratuite. Oui, parce que les revenants ne vont pas être contents. Mais il faudra les protéger, hein, parce que ces gens-là, ils font des piqûres à n'importe qui. Hein. Au tep!